Au PSG, on ne prend pas le risque d'affronter la direction au risque de se faire broyer. Mis sur la liste de départ, Hugo Ekitic a refusé catégoriquement de quitter la porte d'Auteuil cet été. Conséquence, le joueur de 21 ans vit un début de saison très compliqué. Et cela n'est pas près de s'améliorer. Dans les dernières heures du mercato cet été, le PSG a bouclé le transfert de Randal Kolo Muani en provenance de l'Eintracht Francfort. Le jeune international français a signé un contrat de 5 ans avec Paris. Le club de la capitale a dû débourser une somme de 100 millions d'euros pour finaliser cette opération qui a failli capoter à cause d'Hugo Ekitic. Alors que le PSG a intégré l'attaquant de 21 ans dans l'opération, ce dernier a refusé de rejoindre l'Eintracht Francfort. L'ancien attaquant de Reims paie désormais le prix fort de son intransigeance. Selon Dominique Sévérac, l'attitude d'Ekitic a irrité les dirigeants du PSG qui ont décidé de se passer de lui cette saison. Il est puni jusqu'à nouvel ordre par la direction pour avoir refusé d'être transféré à Francfort cet été. Elle essaiera de le vendre au mercato, mais vendre un joueur qui ne joue pas, c'est compliqué. Quant à la carte à jouer, je ne sais pas trop laquelle. Ils sont au moins 6 pour 3 places devant, Mbappé, Dembélé, Asensio, Barcola, Ramos, Kolo Muani voire Kamin Li, a déclaré le journaliste répondant aux préoccupations des lecteurs du Parisien. Depuis le début de la saison, Ekitic n'a disputé qu'une seule rencontre sous les couleurs du PSG. Il devrait être transféré lors du prochain mercato hivernal.